Nous avions adressé un avis de grève depuis le mois de décembre passé. Et la direction est restée dans la même dynamique de ne pas répondre au collectif de travailleurs. Et là, nous avions déclenché une grève qui a débuté le 7 décembre 2021. Donc, au cours de cette manifestation, parce que nous avions eu ras-le-bol, on a tenté d'exprimer notre mécontentement face à la gestion et nous avions réclamé ces conditions de vie. Donc, parmi ces points de revendication, il y avait 28 points. Il y avait le béaba. On a demandé qu'il y ait des équipements de protection individuelle et collective. Pendant que nous sommes une entreprise agricole, les gens sortent à partir de 6 heures du matin pour rejoindre les plantations. Alors, ils devront être munis des bottes, des casques, des imperméables pour que les conditions de travail soient favorables. Mais la direction n'a jamais répondu. Donc, nous avions aussi demandé à ce qu'il y ait, notamment comme je viens de le dire, des gants pour des travailleurs des usines. Il y a des gens qui manipulent des substances chimiques, ils ne sont ni protégés. Et s'il y a des problèmes, et s'il y a des maladies, ils ne sont pas, la prise en charge n'y est pas. Donc, nous étions frustrés par rapport à tous ces paramètres. La direction générale s'est fâchée. Elle a sorti automatiquement une note de service, entre guillemets, que moi-même, je n'ai pas vue, que les manifestations ou les organisations au sein de l'entreprise sont interdites. Et pendant que nous étions en réunion, à 17 h, ils ont sorti la note de service pour dire que les réunions sont interdites. Nous, on a dit non, mais attention, nous sommes en train de parler de quelque chose. Ce n'est pas un problème de la ville, mais c'est un problème de l'entreprise. Et aujourd'hui, comme le code de travail nous le recommande, nous sommes en collectif, nous avons l'obligation de restituer ce qui se passe au sein de l'entreprise à nos collègues travailleurs. Donc, c'est ce qui a provoqué, ou si vous voulez, c'est ce qui a motivé la réunion de ce soir. Donc, suite à cette réunion qui n'a pas plu à la direction générale, ils ont sorti des notes de service qui parlaient de licenciement de plus de 18 travailleurs, membres exclusivement du collectif. Et le lendemain, nous sommes allés en grève, on a exprimé le même ras-le-bol. À 6 h du matin, on est venu nous ramasser et sur le site de Sogipa, on nous a déportés sur Zérékoré et on a fait 3 jours à Zérékoré. Même la visite, elle n'était pas autorisée. On nous a déportés sur Zérékoré. Après, on nous a fait face à un procès dans lequel procès, nous qui sommes là en train de demander les meilleures conditions d'existence de vie à la Sogipa, on nous a fait comprendre à la justice que nous sommes des rebelles parce que les chefs d'accusation, il y avait la rébellion, l'insubordination caractérisée. Et il y avez plus de 4 chefs d'accusation. Mais parmi les 4 chefs d'accusation, monsieur le journaliste, c'est un seul chef d'accusation qui a été retenu contre nous. Ils ont dit que nous avions, comment on appelle ça, attroupement illégal non armé. Qu'il y a eu un attroupement illégal non armé. Mais qui étaient les plaignants? C'est là le problème. Les travailleurs sont sortis pour demander les conditions de vie. Mais c'est le directeur général qui porte plainte contre nous. Plus son directeur de la comptabilité et de l'administration, M. Nyangamis. Donc, on a demandé aux gens, attention, nous sommes les travailleurs d'une entreprise et la société, c'est une personne morale. On est sorti contre une personne morale. Mais à la justice, on nous fait comprendre que c'est une personne physique ou des personnes physiques qui ont porté plainte contre nous. Et parmi ces personnes, le DG, l'ex-directeur général, M. Michel Bémy, qui nous a fait boire de l'acide ici à la Sogipa. Parce que sa gestion était une gestion infernale. Plus son directeur général et son directeur de la comptabilité et de l'administration, qui d'ailleurs, je recommande vivement au nouveau DG qui va prendre fonction, de faire des audits au niveau de la comptabilité et de l'administration. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Le problème a été jugé, je crois bien. Ils ont été condamnés par sursis. Bon, le mal était que ces personnes, une fois que c'est au niveau de la justice, ils ont interjeté l'appel. On devait attendre à ce que une décision judiciaire soit là. Donc, avant la décision, ils ont essayé maintenant de mettre ces gens-là, je crois au nombre, si je n'oublie pas, au nombre de 18 à la touche. Le CNRD a hérité ce problème de la Sogipa.
C'est un problème qui a perduré. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit une chose. La SOGIPA a été juste un problème de gestion. Donc, ce que je dis n'engage que moi. Avant le CNRD, bon, l'émission de la politique, surtout au sein de cette société, la gérance de la politique au sein de cette société, a fait que la société, au lieu de trouver des solutions adéquates aux problèmes de la société, n'a fait que empirer les choses. Depuis 2013, vraiment, ça ne va pas au niveau des planteurs. Nous sommes presque embourbés. Il y a le retard des paiements des planteurs. Nous sommes même allés là, nous sommes à 6 mois comme ça, on n'est pas payé. Donc, toutes les activités des planteurs sont arrêtées. Il y avait même les rissounes, depuis 2013, les rissounes ne sont plus données aux planteurs. Depuis l'arrivée de notre frère Michel, tout est arrêté. Tout est arrêté. Et on a réclamé et toujours nous sommes là-dessus en train de réclamer. Même à ce qui concerne les enfants des planteurs qui vont à l'école, d'autres ne font plus, n'étudient plus. Parce que les frais de scolarité ne sont plus payés. Avant, on payait. D'autres s'avançaient, mais aujourd'hui, ils sont contrecalés. Ils sont contrecalés. Les forêts qui étaient avec nous, la SOGIPA a presque récupéré les 70%. Les 70%. Le reste là, les planteurs aussi ont profité au moins des planteurs là-bas. Mais ces productions-là ne sont plus payées à temps. Donc, on a tant demandé le gouvernement. Parce que quand on s'adresse aux représentants de la SOGIPA, vraiment, on n'attend rien et on ne reçoit rien. Vous savez, d'abord, il y a des problèmes purement techniques, c'est-à-dire le problème de travail. La SOGIPA est une société agro-industrielle qui vit de l'EVA et des palmiers. Donc, ils travaillent directement avec la population, notamment les planteurs. Et il fut un moment, à l'arrivée de la SOGIPA, ils ont pris des terres de la population. Mais en compensation, ils ont aidé encore beaucoup de personnes qui ont réussi à planter, qu'on appelle les plantations familiales. Et les plantations qu'on a envoyées vers la SOGIPA elle-même, qu'on appelle plantation industrielle. Donc, avant, quand les gens, par exemple, réussissaient, si c'est les plans, si c'est l'EVA, par exemple, à chaque fin de mois, le 5 ou plus tard, les gens réussissaient à avoir l'air dû, c'est-à-dire la production qu'ils ont déposée vers la SOGIPA, le 5 mois, ils gagnaient leur production. Si c'était au niveau des palmiers, chaque une semaine ou deux semaines, en majeure partie, les gens gagnaient. Mais c'est ce qui a été que les problèmes ont perduré, comme je l'ai dit. Et la SOGIPA devait maintenant plus de 6 mois et aux travailleurs, et aux planteurs, et encore les transporteurs, parce qu'il ne faut pas les oublier. La production qui se trouve au niveau de la société, que ce soit pour la plantation industrielle ou la plantation familiale, c'est les transporteurs là qui travaillent directement en connivence avec la société qui venaient prendre la production là. Donc la société devait encore cesser. Le problème qui est là, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Même du côté des travailleurs de la SOGIPA, si les gens revendiquent, on informe le préfet de Yomou, le gouverneur de Zérékoré. Ainsi, il met la pression. C'est en sorte de dictature sur nous. Voyez ? Donc, notre droit est brisé. Notre droit est brisé. Si nous demandons vraiment nos droits, les gens ne veulent pas nous libérer.
Donc, avec tout ça là, la société qui est la SOGIPA, cette société, c'est un bijou pour nous. C'est un bijou. Ça, on le sait. Avant, au commencement, ça marchait très bien. Mais ici, on ne paye pas. Attends, c'est-à-dire, on paye au hasard. C'est par probabilité qu'on nous paye. Qu'on nous paye. Des fois, on reste là, on nous dit que bon, tel mois doit être payé demain. Demain. Vous voyez? C'est quel genre de paiement? Donc, nous sommes... c'est une contrainte. Nous sommes traités comme des esclaves. Comme des esclaves. Or, que nous ne sommes pas des employés de la société. Nous sommes des commerçants. C'est quelque chose qui a été donné, hein, en dette. On doit rembourser. Les gens, c'est pas aujourd'hui, ont commencé à réclamer un dû. Lorsque la société a commencé à tomber, on a constaté que la société commence à tomber. Pour ne pas fermer la société, ça c'était au temps de Mme Camara. Les travailleurs et la direction se sont vus. Mais ils ont décidé que, au lieu de licencier les travailleurs, de suspendre certains de leurs intérêts, c'est-à-dire des primes, c'est-à-dire le prime de logement, de transport, des véhicules, et ainsi de suite. Donc, pour compenser, pour ne pas essayer de jouer sur les personnes. C'était les ristournes. C'est-à-dire, quand il y a les clés de répartition, c'est-à-dire pendant le paiement, il y a les clés de répartition. Il y a quelques pourcentages qui sont destinés pour le développement. C'est-à-dire, les 30% ou les 3%, on récupère dans la paye. Tous les planteurs de Besson, on récupère sur leur paye par an. C'est-à-dire, tout ce qui est récupéré, on regroupe, on les donne par an. Ça peut aller dans 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards. Les 3 milliards sont répartis selon les groupements. Si le groupement de tel coin a produit ça, on calcule tout ce que le groupement a eu. Après, selon son poids, on donne son rendement en ressources. Donc, c'est avec ça que le quartier ou les villages faisaient le développement avec ça. Ah. Il y a aussi des pourcentages destinés aussi pour le développement, c'est-à-dire pour les pistes. Pour les pistes, c'est aussi destiné à l'entretien des pistes. Mais jusqu'à présent, depuis longtemps, depuis l'arrivée de Michel, ils n'ont jamais travaillé les pistes avec les pourcentages récupérés. Et on ne fait qu'à récupérer. Même les ressources, on ne fait qu'à récupérer. Parce que chaque paie, c'est récupéré. Chaque paie, tout est récupéré. Hein? Mais on ne travaille pas avec ça, c'est avec eux. Donc c'est pourquoi tous les planteurs, sans distinction, demandent leurs droits. Il y a des conventions entre les travailleurs et la société. Donc on pouvait mieux régulariser leur cas au sein de la société, parce que ce qui était comme charge sur eux, suivant les informations que nous avons reçues, c'est du fait qu'ils ont tenu des réunions au sein de la société et le regroupement. Donc, comme déjà certains aussi l'ont fait à Conakry, mais ceux-ci n'ont pas été licenciés, donc je crois que l'État a jugé utile de les ramener vers leurs droits. Ce que moi je dis, ce n'est pas ma qualité simplement de sous-préfet, je dis ça n'engage que ma personne. Mais si on me demandait avant, lui la servait beaucoup. Ça a aidé nos pauvres populations là, notamment les femmes. L'État est là aujourd'hui pour subventionner les femmes. L'État subventionne cher les femmes. Et les femmes là venaient acheter l'huile là, ici, et donner à nos Guinéens, à Cancan, à Conakry et ailleurs. Parce que c'était de l'huile encore propre par rapport aux autres huiles. Mais aujourd'hui, on négocie, les gens ont essayé de négocier, ils vendent l'huile là à la Sierra Leone et à des sociétés qui existent, pas à l'État même, mais à des sociétés qui sont en Sierra Leone. Donc,
là où va l'argent, je ne travaille pas à la société, mais il faut que l'État puisse revoir le cas. S'il le faut, comme c'est le même prix, au lieu de négocier à l'extérieur et que lui s'achetait, le tout s'achetait ici et qu'on faisait encore la savonnerie à travers ça là, pourquoi ne pas vendre à nos pauvres populations? Ça peut aider à certaines personnes de travailler parce que c'était des camions et des camions qui venaient ici. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Donc, l'huile, effectivement, est là. Mais pour le moment, ils ont négocié avec une société léonaise. C'est là-bas que les citernes viennent, ils se chargent, ils vont là-bas. Tant de Mme Camara, elle avait complètement refusé cela. Les sociétés étaient venues, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de demande. Mais elle avait refusé. Elle a dit non, je préfère vendre à ma population. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ils sont obligés d'envoyer soit en Sierra Leone, au Liberia ici, vendre le caoutchouc frais. Parce que le caoutchouc, c'est en deux qualités. Le caoutchouc qui est usiné et le caoutchouc qui n'est pas usiné, c'est-à-dire le caoutchouc frais. C'est de la sorte dont on envoie ça des plantations. C'est comme ça, on prend, on vend. Il y a une partie que l'usine sert à traiter. Ce qu'on traite là, c'est ce qu'on envoie à l'extérieur en majeure partie. Ce qui n'est pas usiné, on envoie, quand on vend par exemple aux Libériens, ils sont obligés encore de partir, d'envoyer vers leur usine pour faire ça et gagner encore des profits par rapport à ce qui est produit ici. Donc il faut essayer de revoir tout ça. Aujourd'hui, ce que nous demandons humblement au nouveau DG, c'est de créer une condition, c'est-à-dire d'interactivité, une condition de proactivité, une condition de c'est-à-dire qui permettra à l'ensemble des travailleurs ou les directeurs sectoriels de se réunir autour de la table, de proposer des solutions de sortie de crise afin que l'entreprise puisse bouger. C'est tout ce que nous pouvons le dire aujourd'hui.